pour rappel, ce projet a été codé en 5 semaines. Sachant qu'il ne savait pas coder, donc 24 semaines avant la formation. Enfin, certains savaient un petit peu coder. Enfin, savaient coder. Maintenant, pour le prochain projet, qui me tient très à cœur. Alors, le wagon est mentor, enfin, intervient beaucoup dans un programme qui s'appelle Lyon Startup. C'est un programme qui permet aux entrepreneurs de développer, de passer leurs idées en projet. Et du coup, Jérémy a suivi ce programme-là. Et il a rencontré une personne qui avait aussi fait le wagon, qui était porteur de projet. Et Jérémy voulait vraiment donner vie à son projet. Et il a cédé, enfin, bravo pour lui, parce qu'il s'en est donné les moyens en venant ici, apprenant à coder et en connant son projet avec ses camarades. Et je suis très fier du coup qu'il présente ça ce soir. Et j'appelle donc du coup Jérémy pour présenter le projet Onoplace. Merci Mathieu pour ce magnifique lancement. Parfait. Bon, j'espère que vous allez bien. Cool. Bah justement, moi je sors de chez mon psy là, j'avais pris rendez-vous sur maséance.fr et du coup bah, ça va beaucoup mieux, donc merci d'avoir créé ce site. Blague à part, en fait, moi là j'ai un petit souci, c'est que j'ai l'anniversaire d'un de mes amis qui a 30 ans bientôt et en fait on fait un cadeau commun. Et la bonne idée a été de trouver une bonne bouteille de vin pour lui faire plaisir. Et forcément, j'ai été désigné d'office parce que je suis un peu l'expert, entre guillemets, dans la bande de potes. Et le problème que j'ai là, c'est que j'ai du mal à trouver une bouteille vraiment cool, juste pour lui, dédiée. L'idée, c'était de trouver une année, enfin, une bouteille de son année de naissance, mais j'en trouve pas. Donc du coup, j'ai eu le temps vite fait d'aller voir sur un site qu'on m'avait conseillé qui s'appelle Onoplace. Et j'ai eu le temps de me créer un compte, mais ce que je vous propose en fait, c'est d'aller voir directement ensemble le site et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que du coup, j'ai pas eu le temps de le faire en fait. Y a des amateurs de vin dans la salle ? Ouais, je suis pas surpris. Cool. Donc du coup, bah, forcément, il faut être majeur hein, pour acheter du vin. Donc du coup, on va aller se loguer. Donc moi, je me suis créé un compte vite fait, comme je vous ai dit, mais j'ai pas eu le temps d'aller voir. Bon, c'est confidentiel, hein, faut pas, c'est AZERTY le mot de passe. Et du coup, on va se connecter. Cool, on est connecté. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la page d'accueil. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choix et sur des bouteilles assez rares. Et ok, donc en plus en bas là, il spécifie qu'il y a un estimateur de gratuit qui est en ligne. Donc on ira voir ça après, ça m'intéresse. Du coup, on va aller voir ce qu'il y a à Lyon, parce que c'est compliqué aussi dans les différents sites internet de vin d'avoir vraiment de la géolocalisation hyper ciblée. Donc on va aller voir s'il y a des offres sur Lyon. Ah bah tiens, bah parfait, le hasard fait bien les choses. Il y a pas mal d'offres. Donc du coup, cool, en plus il y a une map, ça nous permet d'aller voir de plus près ce qu'il y a et je suis surpris qu'il y ait quand même autant d'offres sur la plateforme. Du coup, je sais que mon pote, il aime bien le vin rouge plutôt. Donc on va aller voir s'il y a des vins. Ouais, il y a 15 résultats, donc ça c'est chouette. Je sais qu'il préfère aussi le Bourgogne, tant qu'à faire. On va voir s'il y a des résultats. Ouais, il y en a encore. Et comme je vous l'ai dit, il est de 90, vu que c'est ses 30 ans. Donc on va aller voir s'il y a du choix sur les années 90. Parfait. Et bah nickel. Il y a trois bouteilles et je vois qu'il y a un Magnum. Donc ça c'est vraiment chouette parce que les bouteilles qui commencent à avoir 20-30 ans d'âge, c'est mieux si elles sont bien conservées. En plus les photos ont l'air chouettes. La bouteille a l'air d'être en bon état. Ah ouais, effectivement, si on zoome, on se rend compte que ouais, ça a l'air d'être en super bon état. Le niveau est top, donc moi elle me branche bien cette bouteille, je vais aller voir s'il y a des infos. Ok, il y a énormément d'infos sur la conservation, etc. C'est ce qui est vraiment rassurant pour les acheteurs potentiels. Et ben on va l'acheter, comme ça au moins on aura le cadeau pour bientôt. Allez, du coup, c'est un petit peu long, il faut que ça charge, je pense qu'il y a trop de trafic, il y a trop de monde sur le site en ce moment. Du coup, on a cliqué deux fois, et ben allez, on confirme l'achat. Comme ça, ce sera fait, j'aurai mon cadeau, je serai enfin tranquille. Mes potes arrêteront de me relancer tous les jours. En plus, ils passent par Stripe, qui est une plateforme sécurisée de paiement en ligne, donc ça, c'est chouette. C'est rassurant. Ok, donc on va mettre mon numéro de carte. J'aurais préféré 69, mais bon, c'est pas grave. Ok, bon, bah, allez, je procède à l'achat. C'est parti.
Impec. Bon, bah, en attente de confirmation, c'est nickel. C'est parfait, j'attends que le vendeur me propose. Et ce que je vous propose en attendant de recevoir la validation, c'est de. J'ai vu en bas qu'ils avaient un estimateur et qu'on pouvait vendre son vin. Donc, moi, vu que je suis passionné de vin, j'ai beaucoup, beaucoup de vin dans ma cave et je n'ai pas tout le temps les occasions de les boire. Donc, j'ai vu que tout à l'heure, ils avaient une bouteille de Jaboulet. Et j'ai vu que j'avais la même, moi, dans ma cave. Je vais voir ce qu'ils disent sur cette bouteille-là. Je vais voir si je ne peux pas la mettre en ligne, ça peut être intéressant. Donc, c'est celle-là, là, à droite. Parfait. Et du coup, je vais aller voir le domaine, voir ce qu'ils disent sur cette bouteille, avoir un maximum d'infos. Ouais, super. Bah, génial, ils renseignent bien tout ce qui concerne le vin. Et bien, bah, allez, je vais essayer de vendre ma bouteille. Tiens, allez, on va essayer. Alors, du coup, ouais, c'était ce vin-là. J'ai pas de cave encore, on va s'en créer une. Ça devrait être assez rapide. Puis, on a un peu de temps devant nous, donc tant qu'à faire. Autant l'utiliser. Donc voilà, ouais, on va être maison. Par contre, je connais pas trop la température et l'hydrométrie. Donc ce que je pourrais faire, c'est retourner plus tard dessus, la renseigner en temps et en heure. Donc on va créer la cave. Parfait. Et bah, je vais y ajouter ma première bouteille, tant qu'à faire. Donc on a dit que c'était le Jaboulet l'Ermitage. Donc c'est bien dans ma cave maison. Ce qui est important, je vois qu'ils mettent pas mal d'infos. Et ça, c'est cool parce que je vais pouvoir renseigner le maximum d'infos sur ma bouteille pour pouvoir être le plus transparent possible. En plus, je vois qu'ils mettent des outils pour aider la mise en ligne. Donc ça, c'est assez chouette. Comme ça nous permet, quand on ne connaît pas vraiment en vin, on peut avoir pas mal d'infos. Donc le niveau, il me semble qu'il est bon, mais on va se référer à la bouteille. Mais ouais, il a l'air quand même en bon état. Et puis là, on a les infos pour nous aider à pouvoir évaluer le niveau. Donc ça, c'est cool. Donc on va dire qu'il est basse goulot, impec. L'état de l'étiquette aussi, c'est super intéressant en fait quand on est un peu amateur de vin, d'avoir en fait le maximum d'infos sur les bouteilles et pour voir en fait son état de conservation. Surtout sur des bouteilles là, en l'occurrence, enfin le Magnum qu'on est en train d'acheter, il date de 1990, il a 30 ans. Généralement, les bouteilles de 30 ans sont pas en super bon état, mais la preuve que si, on peut en trouver, c'est juste qu'il faut la solution. Du coup, on en a la capsule, donc elle est en parfait état aussi. Donc ça, c'est chouette. On va mettre la photo. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment énormément d'infos, mais c'est vraiment rassurant parce que encore une fois, c'est quand on s'y connaît en vin. Plus on a d'infos et mieux c'est. Donc du coup j'ai pas le numéro de série et le conditionnement, je crois que je l'ai plus, j'ai dû jeter le coffret qu'elle a avec. Je l'ai acheté directement au domaine, ça je m'en souviens, c'était lors d'une visite, lors d'une dégustation, pardon. J'ai plus la preuve d'achat, mais je pourrais peut-être la retrouver. Tout ce que je sais, c'est que je l'avais acheté 40€ de mémoire à l'époque. Et moi je vais me mettre juste une note pour moi, comme quoi elle est en super bon état. Voilà. Et j'ai pas spécialement de photos de complément. On va valider l'offre. Et à votre avis, à combien elle peut être estimée cette bouteille? À votre avis? Au pire, 50? 42? Ouais, 42 forcément. Ça m'aurait étonné. Ouais, 69, 42, 69. Et bon, on va voir, on va attendre le résultat. Mais voilà. Oh. Ah, vous êtes loin. Ah, 90€. Ah, bah cool. Comment? Les 6? Non, apparemment, c'est une bouteille. Et du coup, c'est chouette, bah, comme ça au moins on a un indicateur pour savoir à peu près combien elle coûte par rapport au prix du marché. En plus apparemment ils nous donnent un QR code, donc ça c'est chouette parce que c'est hyper pratique dans une cave si on la colle directement sur la bouteille pour pouvoir la scanner plutôt que de ressortir une par une les bouteilles. Donc ça c'est chouette. Et en plus ils nous indiquent qu'on peut faire potentiellement une plus-value de 50€ si on la revend. Et en plus avec les exemples qu'ils ont mis en dessous, donc les prix sont cohérents par rapport à ce qu'on vient de voir. Et donc du coup bah, je vais la mettre en vente, comme ça au moins bah, je verrai hein. Si je la vends tant mieux, sinon je la boirai. Et donc du coup bah ouais, pareil, très bon état toujours. Il l'avait estimé 90, je vais la mettre à 80 du coup parce que je fais déjà une belle plus-value dessus. C'est l'avantage avec le vin aussi, c'est un bon placement parfois. Et je suis à Lyon 3 du coup dans le... Ok. Et bah allez, on valide l'annonce. Ouais, super. Ouais bah cool, nickel. Et bah voilà, j'ai tout en ligne, toute l'annonce est faite, je suis bien situé dans Lyon 3, donc nickel. Et du coup, bah, je viens de recevoir un mail, je vais juste me connecter. Hop, je vous demande juste un petit instant. Alors je vais aller voir mes mails. Vous voyez quelque chose? Ouais, vous les voyez. Du coup, bah, j'ai reçu un mail de NoPlace qui me dit votre commande NoPlace a été validée. Donc Thomas a bien validé l'annonce. Donc du coup, je vais pouvoir le contacter et récupérer la bouteille que j'avais du mal à trouver justement pour l'anniversaire. Donc ça, c'est vraiment chouette, je suis super content. Et voilà, donc bah, et bah voilà, et bah, c'est cool. Donc bah, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Et je tiens vraiment à les remercier. Tous les profs aussi. Kevin, Polo, Thibaut, François qui est pas là. Et puis là, c'est l'équipe de ma séance aussi qui s'est bien énervé.